Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous nous rendons à Ivoire, donc avec une partie de ma famille. Donc je vais décider de vous emmener avec moi et de vous montrer quelques images en musique. Donc Ivoire, en fait, il s'agit d'un petit village qui date à peu près du Moyen-Âge. Et on ne sait pas trop, enfin je ne sais pas trop encore qu'est-ce qu'on va trouver là-bas. Mais apparemment c'est vraiment très joli et c'est vraiment une architecture de l'époque. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire et que ça vous change un petit peu sur ma chaîne. J'avais oublié de vous préciser que Ivoire, en fait, c'est... Un petit village qui se situe en Haute-Savoie dans le 74. Donc là on va partir de Chambéry, donc de la Savoie, et on en a pour à peu près bien 2 heures de route, je pense, où on va faire une journée là-bas, et puis demain on ira à Annecy, dans le vieil Annecy, là où je vous avais fait un vlog il y a 2 ans normalement, et je vous montrerai quelques images. Ivoire est une commune de à peu près 900 et 1000 habitants, pas plus, et à l'intérieur se trouve un petit village médiéval resté comme à l'époque, avec les pierres d'origine. Et on a pu trouver de super jolies choses parce que ce village est tout fleuri. Il a d'ailleurs eu le label et c'est l'un des plus beaux villages de France. Ce château a été habité par des comtes, notamment les comtes de Genève. Les vieilles boîtes à lettres. Pas besoin de clim dedans. Les grosses pierres permettent de maintenir la fraîcheur à l'intérieur des bâtiments. Plusieurs commerces ont été trouvés, ainsi que de la restauration et des auberges, notamment dans une pour laquelle nous avons mangé le midi. Nous avons visité une charmante église qui se situe à côté du lac, en fait à côté du port. Cette église est déjà un petit peu caractéristique de par son architecture, étant donné que le village se trouve en face de la Suisse. Donc l'architecture est un petit peu plus différente des autres églises que l'on peut trouver en France. Z2. Genève. Le clocher sonne midi au moment où nous sommes allés au bord du lac, le lac Léman.
repas bien savoyard, nous avons pu observer le château d'un peu plus près. Une famille de seigneurs y habitait. On les surnommait les vassals des comtes de Genève. Et ils ont d'ailleurs amélioré et fortifié ce bâtiment, notamment contre les ennemis. Ouais, ça m'énerve, je disais, la petite lampe là-haut. Ils ont d'ailleurs créé des portes à ce château en 1318. Chemin qui mène.